discussion avec Jean-Jacques Lombella, nous avons parlé avec les hommes de Dieu sur le rôle et la mission des épouses de pasteurs au sein d'une église. Et après quoi, nous disons que cette tranche, ça nous donne l'occasion de recevoir des intervenants, des invités pour pouvoir donner les éclaircissements, les zones d'ombre, éclairer les zones d'ombre, pourquoi pas leur expertise par rapport à leur domaine donné. Aujourd'hui, nous allons recevoir une personne qui est connue, bien sûr, le visage emblématique de Carrefour, aussi pas de la RTGA. Il s'appelle tout simplement 33 Chitenge. On va le présenter à vous, bien sûr, que c'est les présentateurs de l'émission D'où l'avenir. Aujourd'hui, nous le recevons en tant que producteur, nous allons dire les directeurs de la production RTGA aujourd'hui, ce matin. Et avec lui, nous allons essayer de nous entretenir par rapport à la production, bien sûr, parce que c'est vous qui l'assumez. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, madame Iguet Niembo. Et je profite de l'occasion pour saluer également tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout à travers le monde. D'entrée de jeu, je voudrais poser la question. Nous avons suivi, ça doit être les dimanches, c'était avant-hier, la retransmission en direct des spéciales Pâques avec le frère Henri, papa et les autres. Et puis finalement, je me souviendrai que nous-mêmes, nous étions là, c'était lors des obsèques de la sœur Marie Missamou, la RTGA était là présente. On a vu en tout cas dans plusieurs manifestations la RTGA qui aimait, bien sûr qui émettait, bien sûr qui continue d'ailleurs à le faire en direct. Ça se passe comment? Ok, merci Madame Niembo. Là, nous profitons de l'occasion pour signaler à tous les téléspectateurs, à toutes les personnes qui aimeraient organiser différentes activités, cérémonies, mariages, différentes activités culturelles. Nous leur informons que nous avons la possibilité de faire que leurs activités se passent en direct. Donc, nous avons la possibilité de vous amener le quart de reportage que nous avons ici à la RTGA. Au moment où nous vous parlons, le quart de reportage du autoparking, ce n'est pas un quart que la RTGA loue ailleurs, c'est un quart vraiment de la RTGA que la production oriente et contrôle quotidiennement. Donc, nous organisons des manifestations parce que nous en avons les moyens, ça c'est le 1. Et de 2, nous avons une équipe capable de faire de sorte que les téléspectateurs vivent comme s'ils étaient sur place, mais qu'ils vivent cela à des milliers de kilomètres. Donc, il y a eu un événement, c'est vrai, comme vous venez de le souligner, un événement au Grand Hôtel le dimanche dernier. C'était le concert de la célébration Pâques, organisé par le coordonnateur Henri Papa Moulaja, qui nous avait contacté pour le partenariat. Et le contrat stipulait qu'on pouvait aussi retransmettre en direct. C'est ce que les téléspectateurs avaient vécu des dimanches et on a l'habitude de les faire. Vous avez parlé des obsèques de la sœur Marie Missamou. N'oublions pas non plus les événements que nous organisons par rapport au culte de nos frères des CIFMC avec le couple Olangui. Et nous faisons beaucoup d'événements à travers le monde et même dans des provinces. Ils peuvent nous appeler, nous contacter pour que leurs événements se passent en direct. Et les téléspectateurs étaient un peu déconnectés les dimanches parce qu'on avait arrêté la retransmission à un moment donné parce qu'on devrait avoir les journaux télévisés. Vous m'avez précédé par rapport à la... C'était d'ailleurs la question suivante en disant, est-ce que ça ne va pas perturber les programmes de la RTGA? Non, quand nous avons un événement, on se prépare d'abord en interne. Et au niveau de la production, nous organisons tout. Nous soumettons le dossier au coordonnateur de l'entreprise, qui est M. Jules Kidinda. Et nous amenons également le dossier à Mme l'ADG, Mme Christelle Mwabilou. Et au niveau de la RTGA en interne, on organise des réunions pour que le programme ne soit pas perturbé. Donc même les directeurs de programme sait et ils nous donnent un temps de diffusion. Parce que nous travaillons par rapport au temps et dans un espace donné. Donc, le programme ne peut pas souffrir parce que tout est organisé. Si on n'organisait pas en ordre, là, on allait faire souffrir le programme. Mais nous organisons en ordre. C'est pourquoi nous demandons à tous les amis qui aimeraient que leurs activités soient retransmises en direct, de nous contacter, de venir à la RTGA ou alors de nous appeler au numéro plus 243 998 21 39 70 ou qu'ils viennent carrément à la RTGA pour que ces activités soient retransmises au niveau de la RTGA. Nous avons l'espace, nous avons le quart de reportage et nous avons les moyens de le faire avec une équipe solide. Vous avez également les matos, je pense que le prix ne sera pas exorbitant. Le prix ne se dit pas à la télé, ça se discute, mais pour
de grands événements, nous avons la possibilité de faire ce que nous appelons une négociation. On peut négocier pour que l'événement se fasse avec un forfait maison. Et ceux qui n'étaient pas là les dimanches ou ceux qui n'avaient pas tout suivi, d'ailleurs dans cette tranche, nous avons réservé une partie pour qu'ils essayent de vivre ne fût-ce qu'une partie en attendant que nous fassions la diffusion de tous les concerts avec l'autorisation du coordonnateur Henri Papa Moulage. Ok, voilà, je pense que tout a été dit. Sauf qu'on Merci. n'a pas encore vu. Oui, on va suivre après vous. On va suivre après vous. Merci, c'était des très bons travaux, on va les dire. On vous Merci. félicite en tout cas, cette Merci, équipe madame. si costaud. En tout cas, vous êtes fourré au moulin. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et Et merci également à tous les téléspectateurs qu'ils fassent toujours confiance à la RTGA. Et nous sommes là pour des grands événements. Nous ne décevrons jamais nos téléspectateurs parce que nous savons que c'est grâce à eux que nous sommes suivis. Et nous essaierons de redoubler des efforts pour que le signal soit encore plus impeccable et qu'il nous capte dans de très très bonnes conditions. Et surtout que nous sommes déjà dans le numérique. Bientôt, le virement vers le TNT, nous avons déjà tout préparé. alors, tout à fait, grande chaîne, grande équipe, grands messieurs, restez avec nous, chers téléspectateurs. Je pense que les contacts sont là. Venez carrément ici. Nous sommes sur l'avenue derrière la BCLC. On va Oui, vous avenue montrer. Bakongo, numéro 873. Bakongo, Immeuble oui. Rosizi. Voilà. Bakongo 873, à côté, derrière la BCLC. Eh bien, vous venez contacter la production de l'RTGA ou carrément la. La direction générale ou carrément, ils appellent au numéro 09 98 21 39 70. 09 98 21 39 70. L'RTG est là pour vous accompagner. Fête de mariage, obsèques, qu'est-ce que j'ai encore, anniversaire, mariage ou culte spécial par rapport à tout ça. Eh bien, l'RTG peut vous accompagner. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Merci, merci Madame Niembo et Okay. merci beaucoup. Alors, nous sommes.